un mois, c'était justement déployer la force. Et puis en plus dans leur vocabulaire, c'était vraiment de reprendre, de renouer. Donc ils sentaient bien quelque chose qui avait cassé, mais c'est eux qui l'ont cassé. Donc voilà, justement, je reviens sur Comana. Donc c'est justement à Comana, ce qui n'a pas été apprécié, c'est que la façon de faire. Donc c'était les organisateurs s'étaient identifiés, c'était sur un terrain avec autorisation, c'était bien passé avec un bilan sanitaire, 1000 personnes, il y a eu deux évacuations. Donc une personne qui avait eu une bagarre, bon, voilà, et une personne qui s'était foulée la jambe. Donc deux personnes. Donc la fête s'est bien passée et les gendarmes ont avec un gros déploiement en fait de l'argent à l'État venu après la manifestation, un peu provoqué. Des échauffourées sans semences, et c'est ça qui a choqué. Parce que les organisateurs, je répète, étaient identifiés, et ils étaient responsables, et on avait un terrain avec autorisation. Donc on nous dit bien faire les choses, là on laissait bien les faire, et justement en autogestion, sans faire dépenser de l'argent à l'État, et l'État, pour nous dire qu'on fait mal, alors qu'on pensait bien avoir fait les choses, dépense des sommes, des effectifs, et pas la force. Donc c'était ça en fait qui avait été. Donc ça a du mal justement par rapport aux gens, au grand public, de comprendre ces nuances, mais nous, elle nous a choqués parce que justement, c'était un contradictoire de ce qu'on avait mis avant. Quoi. Et donc, les propos qu'il y a eu justement, qui disaient si on faisait une fête entre 500 et 5000 personnes, qu'on pouvait passer un coup de téléphone, il n'y a pas de problème. À Comana, c'est exactement le cas. Quoi. Donc, pourquoi là, à Comana, il fallait sortir les gendarmes pour nous dire qu'après, en fait, c'est très bien ce qu'on a fait. Quoi. Donc, à un moment, on l'a un peu déboussolé. Donc, voilà. Préfet, le ministère symbolique, mais après aussi national. Un truc con, c'est la musique électronique quand on va à Berlin, où le moindre kebab passe de la putain d'électro, et ici, dans la boîte du coin, bah non, c'est la FM qui pourrit, quoi. Donc, à un moment, il faut prendre en question justement cette diversité, cette qualité aussi. Bon, tout le monde n'aime pas forcément, mais c'est ça aussi la culture. Chacun l'interprète comme il veut, et chacun a ses goûts. La différence, c'est une richesse. Donc, nous, on fait partie de cette différence. Soit l'on comprend mais c'est ça le jeu, c'est de proposer des choses différentes pour qu'après on échange des avis et c'est une partie du dialogue. Donc échanger pour justement apprendre à se connaître et puis voilà, c'est quand même plus facile quand il y a du dialogue.